Je me trouve à Salvin-les-Marécottes dans la vallée du Trien pour tester un sport que je ne connais pas encore, le canyoning. Et pour tester cette discipline, je peux compter sur Romain de No Limits Canyon qui est en train de préparer le matériel. C'est parti pour l'aventure. Direction le canyon de la Salanf, un petit point sécurité s'impose. Donc c'est un petit peu comme de marcher sur de la glace, on va marcher, donc ça va être glissant de haut en bas. Il faudra vraiment faire attention où tu mets les pieds. Donc l'idée, c'est comme sur un chemin de montagne, tu vas poser ton pied, checker si ça marche bien, si ça ne glisse pas, et ensuite ça, tu peux vraiment marcher gentiment. Voilà, tu peux te tourner vers moi. L'eau est à 7 degrés. Pour ne pas me brusquer, Romain privilégie la tyrolienne pour commencer. Maintenant que je suis confiante, je me lance pour mon premier saut et le toboggan de 6 mètres. Eh ben bravo! Merci! La grande classe, je te rends ton micro? Ouais! Bah écoute, c'était assez impressionnant! Comme premier saut, t'es drôle! Ouais, c'est ça! Mais la technique, en fait, je trouve qu'il faut pas se poser de questions et sauter tout d'un coup! Exactement, tu as la très bonne technique et tu es parfaite, je pense même! On peut faire un saut un peu plus grand sur la suite du canyon, c'est d'accord? Bon, ça, on verra! D'accord! En attendant les plus gros sauts, je vais faire une descente en rappel, c'est un peu impressionnant, c'est 8 mètres de hauteur, en plus il y a la cascade juste à côté, c'est un peu flippant. Et le plus de cette activité, c'est que je m'auto-assure, donc c'est moi qui vais gérer toute ma descente. Allez, pieds, c'est parfait, bravo! Ok, maintenant, regarde bien ici et tu peux tout lâcher. Yes! Bien joué! Toboggan, saut, descente en rappel, c'était ça le canyon de Salanf. Et je suis vraiment très contente d'avoir eu cette expérience. Je suis allée au-delà de mes limites. Et ça, c'est un peu aussi grâce à Romain qui a été toujours là pour me soutenir. Donc vraiment, merci Romain. Mais merci à toi. Tu as été très forte, très courageuse et incroyablement forte. Donc merci beaucoup et c'était un plaisir et une belle aventure.